Et salut tout le monde, voilà, je vais vous présenter ma petite réserve de pétards pour le nouvel an 2016. Donc voilà, on va commencer par les pétards. Du coup, j'ai 40 paquets de bison 1. Donc voilà, on connaît. Hein. J'ai 10 mitraillettes Tigre Z. Donc encore une qui sont là. Des Tigre 4, j'ai 100 paquets en tout. Avec ici encore. J'ai 10 paquets de Super Bison K1. Donc ils sont là les autres. Là il y a des détonantes. Ensuite j'ai une chandelle de 5 coups. C'est les chandelles allemandes. J'ai une fusée qui est cassée. J'ai un mortier de 50. Là j'ai encore 40 paquets. 40 paquets de pétards allemands, là les comme le E4. Là j'ai 18 paquets de Schnabel Horde. Donc là j'ai un petit assortiment avec tous les sachets ouverts. Là ça c'est fait maison. C'est des Schnabel Horde. Je vais voir ce que ça donne. On va j'espère que ça va marcher. Donc voilà. Avec du scotch et on met de la poudre au milieu quoi. Là j'ai une mitraillette avec des petits tigres 4. Là j'ai des criquets. Moi là j'ai des paquets de claque-doigts quoi. Là j'ai des fontaines, enfin des petits flambeaux. Là j'ai des fusées. Voilà, il y en a 14. Donc du coup on va passer au plus gros. Donc voilà les mortiers. Donc j'ai 3 packs de mortiers plus 3 là. Donc ça c'est des détonantes. Donc voilà. Elles sont déjà préparées. Donc voilà la boîte là. Il en reste encore. J'ai pris 2 boîtes. Et pour le bouquet final, c'est un salvation avec 6 coups de 50 mm. Qui partent à la suite quoi. Donc voilà, c'était ma réserve de pétards pour le nouvel an 2016. Bonne année, hein!